On va voir un premier exemple de modèle n-gramme qu'on va appeler le modèle n-gramme sans lissage. Donc, on a vu qu'un modèle n-gramme, c'est tout simplement un modèle où le n-ième mot est généré à partir des n majuscule moins 1 mots précédents, où n est quelque chose que l'utilisateur doit choisir. Ça pourrait être juste le mot précédent, ça serait n majuscule égale 2, ce serait un modèle bigramme, et ainsi de suite. Et on va estimer, comme je l'ai mentionné, ces modèles-là, les probabilités dans un modèle n-gramme à partir de, justement, de n-gramme, d'unigramme, de bigramme, de trigramme. On va voir comment on va faire ça. Donc, on va estimer à partir d'un corpus, qu'on va appeler corpus d'entraînement. On va commencer par voir l'estimation qu'on va appeler sans lissage. La façon ici d'estimer la probabilité dans un modèle n-gramme, ça va être tout simplement à partir des fréquences relatives des n-grammes concernés. Donc, un exemple de bigramme ici. Bigramme, c'est pour n égale 2. Donc, la probabilité du n-ième mot à partir du mot précédent, ben, ça va être tout simplement le nombre de fois que j'ai vu le mot précédent suivi du n-ième mot pour lequel j'assigne, je veux calculer une probabilité. Maintenant, donc ça va être proportionnel à ça. Là, maintenant, je veux m'assurer que ce soit bel et bien une probabilité, c'est-à-dire que si je fais la somme pour toutes les valeurs possibles de quel aurait pu être le prochain mot, je vais avoir une somme à 1, que ce soit une probabilité valide. Donc, pour faire ça, ben, je pourrais prendre le numérateur puis sommer sur tous les mots W dans mon vocabulaire. Donc, la somme ici, c'est pour W qui, n'importe quel W qui appartient à mon vocabulaire. Et là, je regarderai c'est quoi le compte, la fréquence d'observer le mot précédent et un de ces mots-là de mon vocabulaire qui le suit dans mon corpus d'entraînement. Et enfin, puis vous pouvez réfléchir pourquoi, ben, cette somme-là, ça va correspondre à simplement le nombre de fois que j'ai vu le mot à la position n-1. Donc, ça va être une fréquence de bigramme divisée par la fréquence de l'unigramme correspondant à mon contexte ici. Donc, ma notation C, avec ici un n-gramme, ça va me donner les fréquences. C'est ce que je vais utiliser comme notation. Donc, ça, comme je disais tantôt, ça, c'est la fréquence du bigramme wn-1 suivi de wn. Ça, c'est la fréquence de l'unigramme wn-1. Puis, dans le cas général, pour un n quelconque, la probabilité d'observer le n-ième mot étant donné les n majuscule moins 1 mots précédents, bien, ça va être la fréquence du n-gramme où j'aurai mon contexte, mon n-1 gramme suivi du n-ième mot, divisé par la fréquence du n-1 gramme. Tout simplement. Puis, dans le cas du unigramme, dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment on n'a pas de contexte. Donc, la normalisation, en fait, ça va être ce que j'appelle, ben, ce qui est appelé dans le livre, malheureusement, aussi n majuscule, qui, dans ce cas-ci, en fait, correspond au nombre de mots dans mes phrases, total dans mon corpus, incluant les fins de phrase. Okay? Donc, c'est le nombre de mots dans mon corpus suivi finalement plus le nombre de phrases, finalement. Donc, ça, c'est ce à quoi correspond ce n-là ici. Donc, ça va être la normalisation. Puis pour le numérateur, j'utilise la fréquence du unigramme associée au mot W pour lequel je veux calculer une probabilité. Alors, cette façon-là d'obtenir des probabilités pour mon modèle, on va appeler ça un estimateur de maximum vraisemblance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces probabilités-là, c'est les probabilités qui maximisent la probabilité d'observer toutes les phrases dans mon corpus d'entraînement. Donc, essentiellement, le principe qui est suivi ici dans l'utilisation de ces probabilités-là, c'est de dire, ben, mon modèle, le meilleur modèle n-gramme que je pourrais trouver, ben, il devrait avoir des probabilités telles que la probabilité de voir, d'observer mon corpus d'entraînement est la plus élevée possible. Donc, c'est ce qu'on appelle un estimateur de maximum vraisemblance. C'est quelque chose qu'on peut démontrer assez facilement, qu'on ne fera pas ici. À noter que si on veut un modèle n-gramme pour un n fixe, dans mon implémentation, ça veut dire que ça ne me prend pas juste des fréquences des n-grammes, mais aussi celles des n-1 grammes pour le dénominateur. Puis en fait, de façon générale, si je fais un modèle trigramme, je vais aussi compter les fréquences des bigrammes puis des unigrammes, parce que quand on va voir les méthodes de lissage, souvent on va utiliser en fait les trois, puis on va les combiner ensemble.
Donc, on fait un exemple où on calcule des probabilités de bigramme, dans ce cas-ci, à partir d'un tout petit corpus d'entraînement, qui sont ces trois phrases-là. À ce moment-là, la probabilité de générer I, étant donné qu'on débute une phrase, bien, ça va être le nombre de fois, finalement, que j'observe un début de phrase suivi de I, 1, 2, donc j'ai 2 au numérateur, divisé par le nombre de fois que j'ai un début de phrase. Parce que si j'ai 1, 2, 3 débuts de phrase, donc ça me donne 3. Donc, je vais avoir une probabilité 2 tiers de commencer une phrase par I, puis une probabilité 1 tiers, le reste des probabilités pour ma conditionnelle ou mon contexte, c'est un début de phrase. Le reste de la probabilité va être assigné à la probabilité de générer Sam. Pourquoi? Parce qu'une fois sur 3, j'ai commencé avec Sam. On en a d'autres ici. Donc, si j'avais I, la probabilité de M, étant donné que j'ai observé I comme mot précédent, bien, dans ce cas-ci, le nombre de fois que je vois I suivi de M, c'est 1, 2. Le nombre de fois que j'observe I, c'est l'unigramme I, c'est 3. Donc, j'obtiens 2 sur 3. Et ainsi de suite. Ici, ce qu'on voit, c'est pour un corpus un peu plus gros, le Berkeley Restaurant Corpus. En fait, c'est essentiellement des commandes ou des requêtes d'informations sur des restaurants qu'il y a à Berkeley. Ce n'est pas un très gros jeu de données. Et là, ici, on a un sous-ensemble des fréquences de bigrammes, parce qu'on l'a juste pour ces mots-là ici. Et donc, ce qu'on a, c'est, par exemple, ce mot-là, cette fréquence-là ici, c'est la fréquence du bigramme I suivi de want. Puis on voit ici qu'en fait, ils ont été ordonnés de façon à construire une phrase. Donc, on voit qu'effectivement, sur cette diagonale déplacée de 1 comme ça, ben, on a effectivement des probabilités assez élevées, en fait. Des fréquences élevées, plutôt. Puis ici, on a les unigrammes. Donc, le nombre de fois que j'ai observé I, want, to, et ainsi de suite. Et donc, la façon de construire mes probabilités, ça va être de prendre ces rangées-là dans mon tableau. Par exemple, la rangée I, puis de diviser par l'unigramme, la fréquence de l'unigramme I. Ici, pour want, je diviserai par la fréquence de want, ainsi de suite. Ça va me donner toutes mes probabilités pour toutes les combinaisons de mots sur lesquels je conditionne, puis le mot suivant. Donc, ça va me donner ça ici. Vous pourrez le faire en regardant les diapositives, mais effectivement, si je divisais la fréquence que j'avais ici par la pour le bigramme II, par le nombre de fois que j'ai juste vu I, ça me donnerait cette valeur-là ici. Puis maintenant, donc ça me donne mes probabilités conditionnelles. Comment est-ce que j'obtiens une probabilité d'une phrase? Bien, à ce moment-ci, je vais faire le produit des probabilités de chacun des mots, étant donné, pour le cas d'un bigramme, le mot qui le précède. Donc en fait, genre la probabilité de I, sachant que je débute une phrase, la probabilité de want, sachant qu'il y a I avant, probabilité de English, sachant qu'il y a want avant, ainsi de suite. Et j'inclus la probabilité de terminer la phrase, donc de générer la balise de fin de phrase, étant donné que le dernier mot de ma phrase, ça serait fou. À noter que je n'inclus pas la probabilité de générer le début de phrase, parce qu'essentiellement, c'est 1. Donc, une phrase débute toujours, si j'en génère. Donc, on ne va pas considérer sa probabilité dans les produits ici. Donc, on voit ici, on fait juste le produit de toutes les probabilités. Ça me donne la probabilité de ma phrase. La raison pour laquelle c'est important d'inclure aussi la probabilité de fin de phrase, c'est si on veut un modèle tel que si je fais la somme des probabilités de toutes les phrases possibles, toutes les combinaisons de mots qui forment une phrase, de toutes les longueurs possibles, j'ai besoin de ça pour que toutes ces sommes-là, pour toutes les longueurs de phrase, donnent 1. Si je ne l'inclus pas, en fait, cette somme-là va être infinie. Par contre, donc si je n'inclus pas le produit de la probabilité de terminer la phrase, par contre, si je fais la somme de toutes les phrases d'une longueur fixe, si je n'inclus pas ce produit-là de la fin de phrase, ça va me donner 1, en fait. Donc, si je ne l'inclus pas, ça veut dire que mon modèle de langue, c'est un modèle qui suppose que je connais la taille de la phrase. Puis pour toutes ces phrases-là qui ont cette taille-là, ça va me donner 1. Donc, parfois, on ne va pas l'inclure si on a un modèle séparé qui va commencer par choisir la longueur de la phrase, puis après ça, il s'agit juste de générer tous les mots de cette phrase-là, puis le nombre de mots qui est supposé avoir dans ma phrase. Donc, si j'ai un modèle séparé qui s'occupe de modéliser la longueur des phrases, ça se peut que je ne l'inclue pas.
Mais souvent, lorsqu'on utilise un modèle de langue qui inclut la modélisation de la longueur des phrases, ben là, à ce moment-là, il faut l'inclure. Il faut inclure la possibilité de générer un terme de fin de phrase. Et quand j'évalue la probabilité des phrases, ben, il faut que j'évalue la probabilité d'avoir généré ces mots-là, puis que ce soit seulement ces mots-là que la phrase termine avec, avec le dernier mot. Donc, quel n-gramme on extrait pour calculer ces probabilités-là? Si on fait les unigrammes, ben, en fait, je vais prendre celui-là ici, donc celui de début de phrase, I, am, Sam, puis de fin de phrase. Donc, les autos ici, on aurait 5 unigrammes. À noter qu'on a besoin des comptes, même si on n'évalue pas la probabilité de commencer par un début de phrase, on va en avoir besoin par contre pour normaliser un modèle bigramme, parce qu'éventuellement on va calculer la probabilité de I étant donné que je suis en début de phrase. Pour ça, ça va nous prendre la fréquence de des débuts de phrase, donc finalement le nombre de phrases. Les bigrammes, dans ce cas-ci, ça va être début de phrase suivi de I suivi de Sam, I suivi de Am suivi de Sam, puis Sam suivi de la fin de phrase. Donc, je vais en avoir 4. Puis pour un modèle trigramme, je vais en avoir un de moins, mais dans ce cas-ci, je vais avoir tous les 3 tokens qui suivent. Comme ça. Et à noter que dans un modèle trigramme, si je veux évaluer c'est quoi la probabilité que j'observe I comme premier mot, bien là, je suis supposé conditionner sur les deux mots précédents. Puis là, en fait, je suis en début de phrase. Donc, techniquement, ça me prendrait, par exemple, la fréquence d'avoir deux balises de début de phrase. Bien, à ce moment-là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va remplacer cette fréquence-là par la fréquence du nombre, du bigramme début de phrase suivi d'un mot. Puis même chose, si on a besoin de la normalisation, on aurait besoin à ce moment-là de la fréquence du bigramme de deux balises de début de phrase. Ces fréquences-là sont égales de toute façon. Puis une autre façon de voir ça, c'est que finalement, au début de la phrase, j'utilise le plus grand modèle possible, mais pas nécessairement égal à N majuscule. Donc au tout début de la phrase, pour le premier mot, je vais utiliser un modèle bigramme et non pas un modèle trigramme. C'est une autre façon de le voir.